Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la découverte, le test et l'avis sur Apex Legends Mobile qui est disponible depuis aujourd'hui sur mobile, iOS et Android. Là, je suis déjà en partie, j'ai déjà commencé. Pour vous dire, j'ai un peu de difficulté. Premier avis sur le jeu sur, enfin, le téléphone surchauffe. Et il n'est pas très ergonomique. Le système est vraiment pas worse du tout. Je vous assure que même la sensibilité et tout, il y a quelque chose à refaire. J'ai du mal. En fait, qui plus est, le système automatique du fait où on court rapidement, on continue à courir, aussi mal fait, je trouve. Y a vraiment du mal. Peut-être que vous allez avoir un avis différent, mais pour le moment. Je dirais que pour moi, j'ai du mal. Si plus est, vu que le téléphone surchauffe, je dois relâcher mon doigt. Je dois relâcher mon doigt très souvent. Pour une seule raison, hein. Parce que mon doigt surchauffe. En plus, il prend mon stuff. Vas-y, je vais jouer cela. Ça c'est des trucs que j'aime pas. Je vais laisser crever et je vais jouer solo, c'est tout. Il voit que je suis dessus, j'ai du mal à le prendre, il me le prend. Vraiment, la sensibilité est dégueulasse. En plus, il n'y a même pas de trucs. Ok, bon. Le full. On va juste jeter ça. Et c'est parti. Et je vais jouer solo maintenant. Merde, c'est qu'ils me suivent depuis tout à l'heure, ça me casse la tête quand on joue avec eux. Là, vous allez me dire pourquoi t'as pas lancé un solo? Ben, parce qu'ils m'ont obligé à lancer une partie en groupe. Round 2, beginning ring countdown. Alors que mon dos, il est en train de surchauffer, il est en train de cuire là, c'est un truc de ouf. Mon doigt où il a celui qui s'occupe du déplacement, je parle, hein. Pas celui qui tourne la caméra. J'ai du mal, hein. D'accord, faut jouer comme ça en fait. Ouais, par contre, on n'est pas sur Valorant.
J'ai du mal, j'ai vraiment du mal à vivre sur mon bilan. Un peu casse bonbon. Faut que je m'habitue un peu à ces commandes. Enfin, j'ai ça, mais je pense pas pouvoir y jouer longtemps. Il y a un petit peu trop de chim ici. Oh, il y a un petit peu trop de chim là par contre. Un combat de bot vraiment. Ouais, mais je touche pas ou quoi? Va monter juste sur le toit tranquillement. Une fois notre viseur. J'ai vraiment du mal, excusez-moi pour ce gameplay dégueulasse les gars, mais vraiment le viseur sur ce jeu. Ah, voilà. Ah, je sais pas ce que je vais faire. Ok, c'est bon. Genre, j'ai eu 3 kills. Vraiment? Shotgun bolt here, level 3. Warning, movement in progress. Care package being delivered. Ok, à terre. Je bouge pas, il me rate quand même.
Ah, je vais y aller comme ça parce que j'ai du mal. Voilà. Là, c'est plus rapide. Lui, il avait un truc en or, je crois. Non. Ah si, c'est moi, je l'ai récupéré, ok. Le gameplay, il est un peu dégueulasse. Désolé, les gars. J'ai fait 1300 de dégâts. Ça va. Ça va. C'est correct. Par contre, les parties qui durent aussi longtemps. Warning, ring movement in progress. I'll heal up in no time. Reloading. Care package being delivered. La suite. Replicator being delivered. Allez en bas. Il doit être à l'intérieur, je crois. Bah non, en fait, il est mort de la zone. Par contre, je vous assure, hein, le téléphone chauffe. C'est, on est vraiment limité à deux parties. Hein, je dirais vraiment une deux parties. Hein. C'est le seul point négatif, je dirais. S'ils améliorent ce petit problème, je dirais que le jeu pourrait être jouable tranquillement. Je mets 3 parce que ça il surchauffe beaucoup trop. Pour des téléphones comme ça, le fait qu'il surchauffe autant, c'est très très grave. Je vous assure. Mon doigt là, il est entièrement rouge. Limite, comme si presque une brûlure, hein. Je vous assure, c'est méga méga chaud. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace, prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.